Bonjour et bienvenue sur Moissac TV. Aujourd'hui, je vous amène à Goudourville, cette petite commune qui se trouve à quelques pas de Valence d'Agen. Et plus précisément, sur le château de Goudourville. Nous sommes ici sur le donjon, la partie la plus haute. Et tout à l'heure, nous serons également en compagnie de Geneviève Mifsud, l'actuelle propriétaire du château. Elle nous dévoilera d'ailleurs quelques secrets et quelques lieux emblématiques de ce château. Allez, allons-y sans plus tarder. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'architecture et d'histoire. Depuis ce château construit au XIe siècle, un château fort, eh bien, on va subir les dégâts finalement des différentes guerres, les guerres de Cent Ans au XIVe siècle, les guerres de religion au XVIe. Et puis entre-temps, on aura ces périodes paisibles de faste où plusieurs personnages historiques vont d'ailleurs séjourner. Citons le pape Clément V, d'ailleurs le premier pape d'Avignon, mais aussi Henri IV, Charles IX, Catherine de Médicis. Les origines de ce lieu sont très anciennes, puisque quand on regarde la première mention qui est citée, eh bien c'est Gotorum Villa, ou la Villa des Goths, ce peuple barbare installé dans la région au 5e siècle. Par la suite, un petit monastère sera construit et sera en lien avec l'abbaye cistercienne de Bonneval, qui se trouve à côté de Rodez. Ce petit monastère, on a très peu de détails, mais on sait qu'il existait ici et qu'il a été ruiné par les Normands. Les Normands, aussi appelés les Vikings, donc d'autres peuplades barbares qui sont arrivées dans notre région par les fleuves et notamment par la Garonne. Ils ont fait d'ailleurs aussi beaucoup de dégâts sur Moissac. C'est au XIe siècle que Hugues de Gascq va faire construire ce château, un château fort qui va permettre, au niveau stratégique, de se défendre, puisqu'on est bien situé ici en hauteur. Et au départ, Goudourville va servir de défense pour le château de Gascq. On sait d'ailleurs que quelques souterrains reliaient les deux ensembles. Et on va donc, à cette époque-là, doubler les murs, rajouter des remparts, des portes fortifiées, des douves sèches sur les côtés, et bien entendu, ces meurtrières, toujours très importantes pour la défense. Nous sommes maintenant à l'étage, à l'entrée de la chambre Charles IX, où là, j'aimerais vous montrer ce petit détail, les mâchicoulis originaux. C'est-à-dire que ce château fort, qui va servir vraiment pour la défense, eh bien, les mâchicoulis étaient essentiels. Ça permettait, par ces trous, de jeter des choses sur l'ennemi, au cas où ils avaient réussi à franchir déjà les douves. Quand ils passaient les échelles, pour continuer à assaillir le château, eh bien, on jetait à ce moment-là certaines choses. Donc, pas d'huile bouillante, surtout pas, mais de l'eau bouillante qui faisait le même effet. Et puis, tous ces mélanges poisseux, la poix, mais aussi le sable, la chaux, puisque en pénétrant dans les armures, c'était toujours très désagréable. Un deuxième détail à ne pas manquer ici, eh bien, ce sont ces meurtrières. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais celles-ci sont un peu différentes, puisqu'elles ont été retaillées et remaniées pendant les guerres de religion. Et c'est vrai qu'à cette époque, on utilisait des canons. On va donc adapter les éléments défensifs, justement, pour ces canons couleuvrines qui permettaient donc de tirer et de se défendre ici. Nous sommes ici, dans la cour d'honneur. Et les façades qui se trouvent derrière moi sont, j'allais dire, emblématiques, puisque les fenêtres nous permettent de retracer son histoire. Depuis les petites meurtrières, bon, même si elles ont été modifiées, donc on en parlait tout à l'heure, du château fort de défense, eh bien, il va y avoir des aménagements qui vont intervenir plus tard, au XVe puis XVIe siècle, et ça on le voit très bien avec les fenêtres, avec les petites accolades que vous voyez ici. On en voit d'autres derrière moi qui ont été bouchées, murées, remaniées. Et puis, on va retrouver aussi les aménagements du XVIIIe siècle, où là, on retrouve bien la fenêtre de forme rectangulaire, mais avec un arc segmentaire, un petit arrondi sur le haut, qui est donc typique du XVIIIe siècle. Et cette famille de Berdolle, les propriétaires à l'époque, ont fait des aménagements et des restaurations assez conséquentes. Nous sommes maintenant en compagnie de Geneviève Mifsud. Bonjour Geneviève. Bonjour Sandy. Vous êtes l'actuelle propriétaire de ce château, depuis 18 ans d'ailleurs. Oui. Je crois qu'il y a plusieurs lieux que vous allez nous montrer tout à l'heure, alors dites-moi. Écoutez, donc ici, ce que j'aimerais vous faire découvrir, c'est des endroits qui sont un petit peu secrets. Donc le premier escalier du château qui a été creusé en fait dans un mur, dans l'épaisseur du mur. Un autre endroit qui est par contre l'escalier Renaissance, donc qui est beaucoup plus large, beaucoup plus lumineux. Et une petite balade dans l'aile 18e, qui est elle aussi baignée de lumière et avec un certain nombre de chambres. Ça vous tente? Parfait, allons-y.
Nous nous trouvons dans une chambre du château, c'est la chambre Charles IX. Auparavant, cette chambre était en fait un endroit où les soldats étaient installés afin de veiller sur l'arrivée d'éventuels assaillants. Et en fait, on voit là ce qui est un banc de veille sur lequel les soldats étaient assis et regardaient. Ce qu'il y a aussi de particulier dans cette chambre, c'est que vous voyez effectivement derrière une porte, derrière cette porte, un petit escalier étroit avec des marches hautes qui a été construit en fait dans l'épaisseur des murs. C'est un des premiers escaliers du château, un escalier qui date probablement du Moyen-Âge et dont l'objectif était effectivement de freiner l'arrivée d'éventuels assaillants. Vous le verrez, il y a des marches hautes, abruptes, et les gens qui étaient armés ou avec des armures avaient de grandes difficultés pour monter à ce niveau-là. Là, je me dirige vers l'escalier central. C'est un escalier en fait qui a été construit au niveau de la Renaissance, donc fin 15e. Un escalier à vis avec 100 marches. Et l'escalier à cette époque-là se devait d'être vaste, lumineux, parce que c'était un symbole de positionnement social. À cette époque, le château de Goudourville en fait appartenait à la famille Lustra, qui était une famille de riches propriétaires et d'entrepreneurs de la Genêt. Parmi, je dirais, les personnes qui ont été propriétaires de ce château, j'aime à parler en fait de Marguerite de Lustrac et de sa fille. Marguerite de Lustrac était effectivement riche, je dirais, de naissance et a continué, je dirais, à faire accroître cette richesse par ses mariages et remariages, puisqu'elle a été veuve un temps. Et je dirais, a eu une vie aussi pleine de rebondissements où, par exemple, sa fille, Anne de Caumont, a été enlevée à l'âge de 7 ans parce que justement, elle était tellement riche qu'elle devenait un enjeu pour un certain nombre de prétendants dans le royaume. Sa mère, Marguerite de Lustrac, pour récupérer sa fille, n'a pas hésité à faire appel à Henri IV, qui lui a envoyé, je dirais, un de ses compagnons d'enfance pour récupérer sa fille. Marguerite de Lustrac, aussi dans une vie qui est quand même étonnante, a été dame d'honneur de Catherine de Médicis pendant 16 ans, et donc a pu côtoyer, bien sûr, la cour royale. C'est probablement ce qui explique que Charles IX, quand il a été roi, et sa mère, Catherine de Médicis, se sont venues séjourner ici. Je vous emmène maintenant dans l'aile 18e. À cette époque, le château était propriété de Louis de Berdol, un capitoul de Toulouse. Et il est resté entre les mains de cette famille durant 3 générations, fils et petits-fils, qui ont été parlementaires à Toulouse et parlementaires à Montauban. Il est devenu une résidence d'été, où se réunissaient effectivement différents hommes politiques pour parler stratégie et rattachement à la cour royale. Vous voici dans une des chambres de l'aile 18e. C'est une chambre qui est vaste, avec des hautes fenêtres à la française qui permettent à la lumière de rentrer, des plafonds d'une hauteur de 4,50 m. Cette chambre s'appelle Diane d'Andouin. Qui était-ce ? Elle était une femme belle et riche. Elle a eu une relation amoureuse qui a duré plus de 10 ans avec Henri IV. Elle avait des ambitions politiques et a financé certains combats de Henri IV pour l'aider à rattacher le Béarn au royaume de France. Elle s'est arrêtée ici plusieurs fois et y a rencontré Henri IV qui, pour la remercier d'avoir financé la bataille de Coutras, est revenu avec les 22 drapeaux des vaincus. Aujourd'hui, ce château est inscrit sur la liste des monuments historiques français. Et comme vous l'avez vu, il a toujours évolué hein, à chaque étape, à chaque époque. Aujourd'hui, il continue à vivre ce château puisqu'il est ouvert à la location pour des événements privés, familiaux et artistiques aussi. Hein. Vous pourrez d'ailleurs retrouver donc, les coordonnées du site internet pour un complément d'information. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un prochain reportage sur Moissac TV.